international. Les concurrents sont sur le départ, la course va démarrer. Le peloton poursuit sur sa lancée, mais je vois les mécaniciens qui s'affairent dans les stands. Est-ce que le podium est déjà décidé ou y a-t-il de la place pour quelqu'un d'autre? Taylor, Anderson, Angelo, tous dans le peloton et il reste encore du temps. S'approche de la tête, il n'a pas l'air de ralentir. Angelo tente une approche agressive. C'est une blague. Tommy Angelo prend la tête de la course. Qui peut encore rattraper Tommy Angelo, qui se trouve en tête? Anderson et Garcia sont deuxième et troisième à la finale à Rogelio. La sortie de Hitzelberg a mis le flot pour tout le monde. Les pilotes en tête entament leur dernier tour. Et voilà. C'est bientôt terminé. Maintenant que Lichtenberg est hors compétition, les trois voitures en tête se battent pour la première place. Le nouveau venu Tommy Angelo est toujours en tête. Les voitures sont au coude à coude. Cette course est loin d'être finie. Angelo est toujours devant. Pourra-t-il tenir?